Hey, coucou les petits culs et bienvenue pour cette demi-finale de Hunger Games of Sims. Il ne reste que trois petits concurrents pour le trône du Game of Thrones, puisque cette... Voilà, Hunger Games of Sims, ça vous plaît plutôt bien, j'ai l'impression. Donc je me dis qu'il y aura peut-être une autre saison qui viendra. Bien sûr, ce ne sera pas la version Game of Thrones, parce que je ne veux pas faire trop la même chose tout le temps. Mais le concept, je vais le garder, mais avec un autre... voilà, une autre licence, on peut dire un truc comme ça, oui. On peut dire un peu comme ça, du moins, pas tout de suite, mais en tout cas, ça reviendra sur la chaîne. Et il nous reste trois protagonistes que nous allons voir tout de suite. Il reste donc Sansa Stark, Peter Baelish et Daenerys Targaryen. Oui, vous ne rêvez pas. Deux filles, un gars. Et aujourd'hui, nos petits Sims chéris se sont transformés en vampires et vont devoir s'affronter un à un pour, eh bien, tout simplement élire le perdant. Mais parce que le gagnant, pour l'instant, c'est pas très important, mais en tout cas le perdant, qui mourra dans les flammes de l'enfer. Donc, on va être parti, ils vont faire des petits combats vampiriques, on se retrouve sur le petit terrain exprès. Nous voilà donc dans le petit terrain, bien sûr le terrain de tous les ennuis, où ils se sont battus aussi la dernière fois en tant que sorciers. Eh bien, la reine a un peu changé, voilà, bah, j'ai mis un petit truc comme ça. Et nous allons donc procéder au premier combat. Alors, nous allons surtout les faire venir ici dans la pseudo-arène, hein, voilà, machin, tout ça. En plus, il y a leurs super copains qui sont tous ici, qui les attendent sagement que le prochain les rejoigne. Voilà, voilà. Et on va surtout décider de qui commence. Hein. Donc, et pour ça, je vais demander à mon assistant Google. Choisis entre 1 et 3. C'est donc Daenerys qui va commencer les hostilités et on va faire avec directement la petite Sansa. Donc ce sera eh bien un combat d'entraînement puisque ce n'est pas disponible ici. Donc dans Amical ou peut-être d'ailleurs dans Méchant. Déprécier la taille des canines, se disputer, non. Et dans Malice, est-ce qu'il y a un combat? Non. Donc en fait on peut que se battre amicalement. C'est pas sympa, c'est pas, pas spécialement, mais bon, pourquoi pas. Hein. Voilà, voilà. Les filles, à vous, les studios. Pétir vous regarde. Vous allez vous battre. J'espère que vous vous battrez à l'intérieur de l'arène. Sinon, c'est pas rigolax. Ça y est. Oh là là, les looks! Oh mon Dieu. Ah, je vous avoue que j'ai absolument pas changé les looks. Donc elles seront ils seront dégueulasses. Oh là, mais on voit rien là. Et c'est Sansa qui a gagné le premier combat. Je note un petit point pour Sansa. Et Dany, tu vas te battre avec le petit Petir, puisque c'est bien sûr contre lui qu'il va falloir que tu gagnes. Lol. Ah, les fantômes sont sortis, Margaery est venue voir. Oh, les looks, Daenerys, c'est immonde. Oh, et lui alors, il a un chapeau de cow-boy. Bon, je ne sais pas comment filmer, parce que comme ils vont aller dans tous les sens. Et ça, c'est bon. Et un point pour Dany également. Tac, voilà. Ça, c'est fait. C'est assez rapide hein, les combats finalement. Et c'est Petir et Sansa qui vont se battre maintenant. Tu vas, toi, demander le combat. Hop, Margaery, elle est là, tranquille. Hein. Elle va assister. Donc Dany est sur son téléphone. Ok. Oh les looks, mon Dieu! Ok. Excusez-moi, hein, j'ai du mal encore à... À suivre les mouvements. Et un point pour Petir. Ils ont donc un point chacun. Bah, c'est cool hein, pour les 10 partagés. Ça va être sympathique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va refaire. Bien, on va refaire un tour. Hein. On va refaire Daenerys
contre Sansa. Alors, première manche, c'était un partout, hein. Oh là, elles sont vénères. Hein. En même temps, pour ceux qui suivent la série, vous serez d'accord que elles n'étaient pas très copines. Je cadre assez grand parce qu'en fait, s'ils vont en l'air, voilà. Ouh, chez ma Dani. C'est Daenerys qui gagne cette partie-là. Très bien, ma belle. C'est parfait. Du coup, Daenerys a gagné. Daenerys va rejouer contre Petyr. Enfin, se battre contre Petyr, on va dire plutôt. Oui, alors, vous mettez pas devant, hein, moi je vois plus rien voir. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Et c'est un point pour Petyr. Oh là 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 là. Et on va refaire combattre alors Daenerys. Non, pardon, excusez-moi, Sansa. Je vais y arriver. Ils sont que trois, heureusement. Hein, parce que les combats, quand ils auraient été 8, ça aurait été moins sympathique. Mais Sansa et Petyr vont recombattre. Alors, je veux dire que le premier qui arrive à deux sera disculpé. Tu vas, toi, emmener le combat. Je sais pas si ça fait quelque chose, hein. Mais bon, on va quand même le faire. On verra bien. Si vous pouvez vous départager avant que le soleil se lève, comme ça, ce sera bien plus facile. Margaery qui est toujours là. Il y a Petyr à gagner? Attendez, je sais plus moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah les enfants, voilà. Petyr a mené de 2 points et Dany de 1 point sur la deuxième manche de combat. Et Sansa, 0. Donc finalement, Sansa étant le maillon faible, elle va juste crever. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bah la finale sera Daenerys Petyr Baelish. Tout va bien? Moi, je suis ravie. Hein, j'espère vraiment que du coup, bah, c'est Dany qui gagnera. Il y en a qui n'espèrent pas. Moi, je suis pro Targaryen. Je suis pour Dany. C'est vraiment pas fait exprès. Vous avez bien vu que je compte les points. Elle aurait perdu. Je pensais vraiment qu'elle allait perdre là. Mais en fait, non. Petyr a gagné. Et 2 points sur la deuxième manche. Et Daenerys, 1 point. Sansa, 0. Alors qu'à la première manche, chaque combat, ils avaient gagné un chacun. Donc, voilà. On doit tuer Sansa. Sansa va rejoindre ses amis. Je vais renvoyer les autres chez eux. Et voilà. Sansa, cette belle petite cage magnifique de clôture qui vient aussi du kit vampire. Ta-la-la, le soleil arrive. Doucement, il vient te cramer. Ma petite Sansa Stark. Tu vas bientôt dégommer. Oh yeah! Bon, le soleil s'élève tout doucement. Hein. C'est pas forcément l'heure de Ricoré, mais pour l'instant, on va attendre qu'il se pointe bien au-dessus et que mademoiselle, pas contente, regardez. J'ai perdu. Je vais mourir. C'est pas cool. Oh! Fanou! Je vais mourir! Vankas. C'est vraiment pas de bol. Regardez, elle commence déjà à crépiter. Ah, ça y est, le soleil arrive bien. Oh, pardon. Arrive bien direct sur elle. Ça va plus trop tarder, je pense. Les grésillements sont là. C'est l'heure du barbecue, les amis. Hein, sortez les saucisses, Sansa régale. Elle fera les braises et vous pourrez les griller vos saucisses sur elle. C'est quand même pas mal, hein, j'ai envie de dire. Oh là là, oh là là! Oh là là, ça y est! Oh là, ça y est! Ça crame! Attention! C'est le barbecue! Aïe aïe aïe! Aïe 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 aïe! Aïe aïe aïe! Ah oui! Regardez-moi ce beau soleil cuisant! C'est le cas de le dire, hein! C'est les vampires qui ont inventé cette expression de soleil cuisant! Parce qu'en fait, comme il cramait, et ben voilà! Ah, ça fait mal! C'est dommage. Ah bah non! C'est trop tard. Elle a sorti le parapluie, mais il était un peu trop tard. Là voilà, c'est bon.
Ça y est, 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 ça y est. Oh là là, c'était magnifique. Sansa Stark n'est plus. Pendant que la faucheuse essaie de voir si c'est bel et bien l'heure d'emmener Sansa et ses du bah. Pourtant, elle est jeune quand même. Si. Oui. Ah ben non, elle, sous la couche de crasse, je vois bien que c'est elle. Oh, il a une faux blanche maintenant, dis donc. Allez. Nous fauchons. Vous fauchez. Et voilà. On est reparti. Et voilà, nous sommes sur la fin de cet épisode de demi-finale. La semaine prochaine aura lieu donc la finale de ce Hunger Game of Thrones entre Daenerys Targaryen et Petyr Baelish. Le trône sera donc, eh bien, soit Targaryen, soit Baelishien. En fait, Baelish, comme il n'a pas vraiment d'emblème, je pourrais pas vraiment le coller derrière, donc ça m'emmerde un peu, j'avoue. Pas que je sois pro-Targaryen, mais c'est vrai que j'ai pas l'emblème. Vous voyez, ça, c'est un petit CC où il y a les emblèmes des maisons. Et Baelish, n'étant pas réellement d'une maison à proprement parler, elle n'existe pas. Il voulait la fonder dans la série. Eh bien, je n'ai pas son emblème. Ah, c'est un gemme au cœur, donc c'est marrant parce que ça fait un peu référence aussi à Hunger Games. Voilà, hein, c'est Inception, Inception. Et bah voilà, le trône, c'est à deux pas de et lequel d'entre eux ça sera et pourra gouverner Westeros. Eh bien, nous serons donc dans la semaine prochaine avec la finale de Hunger Game of Thrones. En attendant, moi je vous remercie énormément de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un com, à partager la vidéo et ma chaîne. Et regardez une petite pub sur YouTube. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!